Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ETS 2, encore une fois l'épisode 5. Aujourd'hui, on va transporter du lourd parce que voilà ce qui se passe. Alors désolé, j'ai des petits coups de lag. J'ai acheté mon nouveau camion, donc vous n'avez pas vu le Scania S730, mais je vais vous le montrer après. Donc voici mon nouveau camion, hein. C'est mon camion attitré. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je le trouve hyper joli, c'est mes goûts. Et au moins, il est sobre, il reste sobre, mais ça se voit qu'il en veut. Donc, c'est un moteur de 730 chevaux. D'accord? Donc, c'est la version S 6x4. J'ai repeint les jantes en gris clair. Donc le camion est en gris un peu plus foncé. Désolé pour les bruits des voitures qui passent. Toute la carrosserie est de la même couleur, gris foncé, sauf les jantes qui sont en gris clair pour ressortir un tout petit peu les jantes. Avec le milieu des jantes qui sont en rouge et les boulons qui sont en piqûre. Comme vous voyez là, en piqûre. Voilà. Ils sont aussi derrière, mais on n'y voit pas trop hein, à l'intérieur. Et donc il y a du chrome partout. Vous voyez, il y a du chrome avec un joli barbuf, avec un joli deux petits signaux de chaque côté, avec un joli bas de caisse. Mon pare-choc est rabaissé. J'ai changé les feux d'en haut. Donc voilà, j'ai mis deux Michelin, une rampe supplémentaire de feu avec le Giro The Space avec deux drapeaux pour savoir que je suis français, et je vais vous mettre un autre drapeau à côté, France, France machin. On va aller à l'intérieur. L'intérieur reste à peu près le même, sauf que j'ai changé deux trois petites choses. Sauf que je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié un autre truc. Voici l'intérieur. Donc c'est le même avec la petite boule qui reste jolie sur le volant. Avec la tasse que j'ai changée qui est de Michelin, la glacière toujours pareil, l'ordinateur toujours pareil, avec le petit V8 accroché derrière, avec la tête de mort dans le camion. Oui, voilà. Donc voilà. Et attention, écoutez le camion. On sent que c'est du V8. Hein. Donc aujourd'hui, on va transporter du lourd, 51 tonnes. Bon, je voulais voir ce que donne la cargaison. J'avais une cargaison de 39 tonnes. Ça peut aller. Maintenant, je vais voir avec la 51 tonnes. C'est des poutres en béton pour direction Montpellier-Batis du vendredi 17h48 au samedi à minuit 28. Sachant que je vais faire une coupure, il me reste 9 heures de trajet. Je pense que ça va être un peu juste. J'ai remboursé le premier emprunt. Là, je vais rembourser le dernier emprunt le plus gros. Pour ça que mon entreprise s'évolue. Donc là, je vais rajouter deux petits trucs au magasin. Donc, on va gagner 8000 euros parce que c'est voilà, je vais trouver une cargaison convenable. Donc, comme on y passe, ça tombe bien. Donc, on est les gyros. Bon, il ne veut pas tourner et je vais lui enlever ça. Donc voilà, donc là on va faire un petit tour au concession parce que je n'ai pas rajouté des trucs. Et je vous montrerai un peu plus. Donc je l'ai acheté à Brest, le camion.
Déjà première faille. Donc 51 au cul, donc V8 en plus, hein, c'est un moteur de V8. Donc voilà, avec des pneus Michelin, j'ai oublié de vous dire dessus, avec les deux trois petites les Raven qui restent toujours pareil. J'ai cru me planter, mais c'est pas là. Donc moi je vais mettre voilà, ce mode-là du camion. Ah, est-ce qu'on passe? Non, voilà. J'ai oublié deux trois petites choses. J'ai encore oublié. Non, c'est pas ça. C'est ça. Donc voilà à peu près le camion. Vous voyez, il y a des petits feux orange que j'ai mis, deux petits feux blancs. Là, c'est les feux que j'ai laissés, ce qui était de base quand je l'ai acheté. Il était en 6x4-2. J'ai juste changé que je l'ai mis en 6x4, V8. Vous voyez. Là, vous voyez un tout petit peu plus les pics des boulons. Donc des Michelin. Bon, j'ai refoncé un peu le couleur Michelin parce qu'il était blanc. Et ça me plaisait pas. Donc nous on va se mettre en vue intérieure. J'ai oublié ça. Ça. Donc lui, on va se mettre. Ouais, mais il n'y a pas les autres, non? Ah con. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On peut se mettre un petit truc Michelin, mais j'ai déjà une tasse. Ah, j'ai pas beaucoup de trucs comme j'ai enlevé le mode. Voilà. Et là, on va se mettre un petit. Et on va se mettre un petit truc comme ça. Voilà. Maintenant on peut partir. Ça fait 10 minutes de vidéo bientôt. Ça m'a enlevé les rampes, les feux de rampe de toit. J'ai sauvegardé. Allez, c'est parti. Ça commence bien. Mettre tout droit.
C'est pas ça ce que je voulais faire. Merde. Ouais. Ouais, c'était comme ça. Donc là, on va monter directement. C'est nickel. Je pense que c'est mieux comme ça. Ah non, parce que là je vois la tasse. Je suis désolé, petit réglage. Voilà. Ah non, je la vois quand même. Oh, merde. Bon, c'est pas grave, Natas en avant, on s'en fout. La direction Montpellier, tranquillou. Putain, il est chiant celui-là. Type 90. Voilà, il attire bien parce qu'on est en plat. Donc voilà.
se mettre un peu de musique. Ça roule bien. C'est fluide sur la route. Il ralentit à peine, mais bon, il tient sa montée.
Ah, purée, encore un camion devant moi. Vous me direz dans les commentaires si le camion est super joli ou pas. Ça éclaire maintenant avec les pleins phares. J'essaie de les oublier. Donc nous on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Se mettre là. Donc nous on va se quitter sur ça, hein, sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. N'hésitez pas à faire un don, c'est tout dans la description. Moi sur ce, je vous retrouverai très vite pour un nouvel épisode de Retruck. Donc moi je vous dis à plus.